guy. Shoot guns till they die. Chase sheep with them bay. Why do I sell you away? Excusez-moi, monsieur. On est bien dans la ville de Rachel? Ouais, vous y êtes! Oh, super! Est-ce que je pourrais emprunter votre téléphone fixe? Ça fait des heures que je marche! Panne d'essence, j'ai plus de batterie sur mon portable. Quelle journée! Ça, c'est ni l'essence ni la batterie! C'est les interférences! Les interférences? Comment ça? Bah ouais! Les interférences! Les ondes, quoi! Les trucs nucléaires, militaires, extraterrestres et tout, là! Ça fait disjoncter tous les appareils, c'est... Ouais, si vous le dites, enfin... Ça fait quand même près de 2 jours que je l'ai pas chargé, donc... Les ondes, je vous dis! Les ondes! Par contre, oui, si vous m'achetez une babiole, je peux vous laisser utiliser ma ligne fixe! Quoi? Ah oui! Ah, mais c'est de l'arnaque, quoi! Vous seriez pas affilié Pardoz, vous, par hasard? Pardon? Non, bah pardon, Pardoz, les stations d'essence, bon, bref, laissez tomber, c'est toujours la même chose. Ah, bon, je vais vous acheter ce petit homme vert, là. Mais, attendez, mais c'est un tentacule, ce truc, ou c'est ce que je pense? Un défaut de fabrication, je suppose. Ouais, un énorme défaut. Bon, bah, on dira que c'est vintage, quoi. Ah ben, ça fera 10 dollars, alors, hein. Ouais, si c'est vintage, c'est super cher, comme ils disent. Ah, bah oui, évidemment. Mais qui c'est qui dit ça, d'abord, hein? Ça devient ridicule, j'en ai ras-le-bol de me faire arnaquer dans toutes les stations-service de la région. Ah. Tenez! Bah, nickel. Et voilà, vous pouvez téléphoner maintenant. Ah, ouais, j'aurais préféré un endroit un peu plus isolé, si... J'ai qu'un seul téléphone monté, et qu'une seule autre pièce à l'arrière, hein. Et c'est ma chambre, et ma salle de bain, et mon cabinet d'aisance, aussi. Et c'est une seule et même pièce, le tout, si vous voyez ce que je veux dire. Ok. On dirait que ça rapporte pas des masses, vos jouets défectueux, hein. Moi, je dis ça, Ouais, bof, y a plus autant de touristes qu'avant, ici. Bref, je vous laisse passer votre coup de fil. Faut que j'aille... Profitez de ma pièce du four. Allô? Guy, c'est moi, Wilhelm. Ah, alors, quoi de neuf? Tu y es? Ouais, je suis à Rachel, là, le bled le plus proche. Ah, c'est impossible d'aller plus loin, par contre, hein. Tout est surveillé. Et toujours aucun signe de lui. J'ai fait le tour, hein. J'ai pas vu sa voiture. T'es sûr de ce que t'as vu? Écoute, tu connais mes compétences. Retracer le signal GPS de ton frère, c'était un jeu d'enfant. Et si je te dis que son téléphone est dans le coin, c'est qu'il est dans le coin. Ok. Et puis, compte tenu des coordonnées trouvées lors de nos récentes investigations, ce serait pas étonnant que ton frère soit sur la même piste que nous, tu penses pas? Ouais, effectivement, ça serait une sacrée coïncidence. Ouais. Moi, je crois pas aux coïncidences. Quoi qu'il se passe avec ton frère, Wilhelm, à mon avis, c'est à l'intérieur de l'enceinte. Il faut que tu trouves un moyen de rentrer, mon vieux. Super, bah, j'aimerais bien t'y voir, hein. C'est plus facile à dire qu'à faire. C'est sacrément bien gardé, l'entrée de la zone. Ouais. Si je pouvais t'aider à distance, je le ferais. Même pas vrai. Tu me ferais payer, mais c'est quand même moi qui prendrais tous les risques pour me faufiler. C'est bien ce que je te dis, je le ferais. Mais pas gratuitement. Bon, bah écoute, je vais te laisser, parce qu'apparemment, il y a le vendeur de la boutique qui insiste lourdement pour que je lui donne mon attention. Quoi, moi? Ça marche. Non, pas du tout. N'abandonne pas, Wilhelm. Je sens que t'es sur la bonne piste. Eh, tu vas le retrouver, ton frangin. Au fait, tu penseras à mes honoraires quand même. Ah, attends, il y a des interférences. Là, tout d'un coup, ça doit être les ondes. C'est pas crédible ce que vous dites. Les ondes, ça n'a aucune incidence sur les lignes fixes. Hein. Ah ouais, c'est vrai que j'oubliais que vous étiez un expert. Vous étiez pas parti dans votre cabinet d'aisance pour... Ma grand-mère disait souvent, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ouais. Et sinon, dites, j'ai pas pu m'empêcher d'écouter votre conversation, là, au téléphone, oh, et... Sans blague! Non, mais enfin, des bribes, hein, juste des bribes, hein. Oui, bah j'avais remarqué, hein. Vous seriez pas Wilhelm, des pourfendeurs, par hasard? Ah, bah dis-donc. Oui, c'est moi. Qui me demande? Vous semblez bien vous avoir reconnu, et vous chercheriez pas votre frère, des fois, non? Attendez, mais vous savez quelque chose? Vous savez où est Jacob, vous l'avez vu? Pas vraiment, mais c'est vous qui parliez de retrouver quelqu'un, et comme je sais que vous êtes deux... On était... Enfin... Oui, on est... Ah, c'est compliqué. Pour tout vous dire, ça fait un sacré bail qu'on s'est pas vu, mon frère et moi. Et justement, j'espérais le retrouver dans le coin. C'est pas impossible qu'il soit là, mais si c'est ça... c'est probable qu'il soit rentré dans l'enceinte, hein. C'est toujours la même chose. Vraiment, vous pensez qu'il a réussi à passer? Écoutez, mon petit,
J'habite ici depuis 1965. Et à l'époque, j'étais qu'un môme. Je peux vous dire qu'à Rachel, on l'a vu passer quelques uns des pourfendeurs. Enfin, des terrasseurs, comme on les appelait en ce temps-là. Ouais, j'ai cru comprendre. Eh bon, croyez-moi, personne ne peut pénétrer la zone 51. Oui, bah j'avais remarqué, merci. Hein. Vous avez le chic pour dire des trucs que j'avais déjà remarqué, en fait. J'ai déjà dû payer 700$ d'amende hier pour avoir franchi une des barrières dans le désert. Les mecs sont carrément arrivés en hélico avec des chiens. Je peux vous dire que j'ai vite lâché l'affaire. Non, je voulais dire, personne ne peut pénétrer la zone 51 par la route. Mais par contre, je peux vous faire passer par le tunnel, si vous voulez. Attendez, il y a un tunnel qui relie la ville de Rachel à la base de Grumblay. C'est, je vous dis que les terrasseurs passaient par Rachel. C'était pas juste pour acheter des souvenirs. Hein. Quoique... Bref, vous voulez passer, oui ou non? Oui, ça serait super. Mais laissez-moi deviner, j'imagine que vous allez me demander un pognon de dingue pour ce service, c'est ça? Franchement, non, rien du tout. Je m'emmerde tellement ces temps-ci que bon, un peu d'agitation, ça me redonnerait presque ma vigueur dans le temps. Le fougue de la jeunesse. Eh ouais, ce sera pas toujours la même. Bon, bref. Vous voyez quoi? Depuis que vous êtes arrivé ici, mon petit, je me sens plus excité, revigoré. Plus droit, plus grand et ouais. Plus fort et plus okay. Dur. Ok, on va y aller, d'accord hein. Vous savez, mon vieux, vous devriez vraiment faire attention à ce que vous dites. On a un peu de mal à comprendre si c'est sérieux ou pas. Non, pardon, je suis désolé. Ça, c'est les interférences. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça m'a fait très plaisir que vous repreniez du service. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas entendu votre truc à la radio... Qui repose pour vous les envahisseurs. Ça c'est super bon là. C'est quoi la suite déjà? Alors vous ne le faites pas du tout dans la bonne tonalité. C'est plutôt comme ça. Qui repose pour vous les envahisseurs? Qui combat fièrement vos craintes et vos peurs? Notre nom revient comme une rumeur. Vous le connaissez, oui bien sûr que c'est nous. Les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Les pourfendeurs. Pas que vous m'ayez rien dit pour Pink. Enfin, Stink. Bon, enfin, c'était espèce de couillon tout rose. Vous n'allez pas voir rouge quand même. Rouge? Encore? Mais personne ne voit rouge. À part peut-être les lapins albinos. Non, mais qu'est-ce que je raconte, bordel? Vous n'allez pas encore essayer de m'en faire voir de toutes les couleurs aujourd'hui, Archie, hein? Ouais, je suis vert. Je pensais qu'on se faisait confiance. Mais je vous fais confiance, Jacob. Je ne vous ai jamais menti d'ailleurs. Je ne savais vraiment pas où il était. Mais vous me l'auriez dit, je l'aurais retrouvé, cette enflure. Justement, je ne voulais pas. Mais pourquoi? Pour vous protéger, Jacob. Me protéger? Oui. Vous vous seriez mis à la recherche de ce fou furieux de Chris Rod. Seul et vulnérable, vous vous seriez jeté dans la meule du chou. Attendez, vous pensez vraiment que je suis vulnérable? Moi? Vulnérable? On me l'avait pas fait oui, depuis longtemps. Vous êtes vulnérable, c'est... Jacob. Vous êtes seul. Seul face à des choses qui vous dépassent. Face à des personnes qui sont prêtes à tout. Même aux pires ignominies. Mais... Regardez ce qui est devenu Rod. Vous êtes avec moi, Archie. Je suis pas seul. Je suis dans une bouteille depuis 2 ans, nom d'un chien. Je ne peux rien faire ici. La preuve, malgré tous mes efforts, vous y êtes. Dans la meule du chou... Du loup. Oh, et puis merde. On est dans le cul du sac, quoi. C'est le cas de le dire. Galère, d'ailleurs, d'être dans le noir comme ça. Mais on va s'en sortir, hein. J'aimerais vraiment bien le croire. Mais je ne vois pas comment. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus, de toute façon, maintenant qu'on est en bouteille? Physiquement, on ne risque rien, c'est vrai. C'est comme si le temps était figé ici, votre organisme... C'est comme s'il était en pause. Mais psychologiquement... Psychologiquement? Heureusement que vous m'avez fait voir du pays, Jacob. Parce que sinon...
Je serais devenu fou depuis longtemps. Écoutez. Ça y est, nous sommes enfin arrivés. Ah, espèce de vieille boîte de conserve rouillée! On est où maintenant? C'est quoi votre plan à la con? Et vous verrez ça bien assez tôt, Jacob. C'est une petite surprise que je vous réserve. Mais elle n'est pas encore prête. Donc poté de Pink a encore du pain sur la planche. Comment avez-vous réussi à mettre Jacob en bouteille, Ron? Ah, ne m'appelez pas comme ça! Je suis Borg. Si, Borg, compris? Si vous voulez, peu m'importe. Mais répondez-moi au moins. Ça m'intéresse. Ah, archi. Je serais presque heureux de vous retrouver après tout ce temps. Je vois que vous êtes toujours curieux et avide de nouveaux savoirs. Nos méthodes diffèrent, certes, mais je ne peux m'empêcher de regretter que vous ne m'ayez pas rejoint quand je vous l'ai proposé. Attendez, mais c'est quoi encore ces conneries? Il n'y a pas que nos méthodes qui diffèrent. Je défends des principes et des valeurs qui vous sont totalement inconnus. Grâce à mes nouvelles capacités, aucune valeur ne m'est inconnue, vieillard. Vous avez été les cobayes parfaits pour tester mon nouveau Censurator 3100 Pro. Ma nouvelle fonctionnalité intégrée. La version Pro, carrément. La bête, c'est donc ça que vous avez activé durant la chanson de Jacob. Exactement. Grâce à la puissance ajoutée par le docteur Immortel, les ondes du censurateur ont interrompu sa chanson médiocre et retourné la machine contre son propriétaire. Vous avez fait bugger la machine. Eh oui, grâce à mon censurateur, je peux contrôler n'importe quel appareil à distance. Et je peux faire taire n'importe quel imbécile et n'importe quelle chanson idiote. Quoi? Je comprends que dalle. On dirait de la magie, vos histoires, là. Bon, je reconnais qu'il me reste quelques ajustements à faire. Je ne comprends pas ce que vous faites dans la même bouteille que ce vieux crouton d'Archie, et puis je pensais récupérer votre machine, mais il semblerait que là aussi, le censurateur l'ait définitivement endommagé. Oh putain, vous avez pété la machine? Ouh là 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 là. Ouh, il ne va pas être content. Tiens, en parlant de votre frère, je crois qu'il vous cherche. Comment ça? Vous l'avez vu? Non, mais ça ne saurait tarder. Regardez votre portable. Oh bordel, mais qu'est-ce que... Ouah... Oh, c'est bizarre le portable qui fait ma taille. Et c'est plus un mobile, c'est... Attendez. C'est un immobile. Un SMS qui dit « J'arrive ». Et ça vient de... attendez... Trouduc. C'est votre frère, ça? Trouduc. Franchement, même si on se retrouve, je lui laisserai le surnom. Ça lui va pas si mal. Très mature. Eh ben, si vous voyez le nom que je vous ai mis dans mes contacts... Bêteur de framboise. Je me doutais qu'il partirait à votre recherche. Oh putain. Mais vous êtes un... génie, oui, c'est le mot. Bref, sur ce, je vous laisse. Il me reste encore quelques préparatifs avant de vous présenter notre... surprise. Hey! Oh! Non mais, vous allez où, là? Bon, où en êtes-vous? Vous avez appuyé sur le bouton rouge? J'avance, monsieur. J'avance. Le système est un peu obsolète. Hein. Quant au portail, certaines pièces sont un peu usées. Hein. J'ai peur que si nous ne remplaçons pas certains des mécanismes pneumatiques... Et la mais vous vous fichez de moi! 2 mois que vous travaillez sur ce portail, Pink! 2 mois! Vous aviez tout le temps de remplacer tous ces fichus mécanismes... Je vous en avais parlé, mais vous vouliez déduire l'achat des nouvelles pièces de mon salaire. En plus, si c'est vintage, c'est super cher, comme il dit. Qui dit ça? Qui dit ça, Pink? J'en ai rien à faire, Mr. Pink. Je veux que ce portail soit fonctionnel d'ici une heure. Une heure? Mais, monsieur,
il n'a pas été ouvert depuis des années. Pic, si vous n'étiez pas le seul à savoir faire fonctionner ce portail, je vous jure que je vous étranglerai sur le champ. Et si ce portail ne fonctionne pas d'ici une heure, je vous promets que je mettrai cette menace à exécution. Puis je reviendrai dans le passé pour vous étrangler de nouveau avant que vous n'ayez pu échouer. C'est clair ? Pas complètement, mais... Disons que je vais faire de mon mieux, monsieur. Bien, je pensais gagner du temps puisque vous étiez en charge de l'ordinateur central du portail, tout du moins à une époque. Mais je n'aurais aucun mal à apprendre ce langage de programmation obsolète. Ne vous méprenez pas, Pink. Je pourrais très facilement vous remplacer. Vous ne regretterez pas de m'avoir fait confiance, monsieur. Je l'espère. Il vous reste 5 minutes et 30 secondes. Tu parles de danger, ça fait plus de 20 minutes que j'avance dans ce foutu tunnel et il se passe que dalle. Oh mais quel dégonflé ce vendeur. Aïe. Oh bordel. Qui c'est qui a mis un mur ici? On voit rien, c'est le noir complet. Ah. Ouais, joli réverb. Terrible grotte où Wilhelm se les jette. Dans le noir, c'est un cauchemar. Dans le noir, oui, dans le noir, oui, dans le noir. Ouah, qu'est-ce que... Bienvenue au Christomu. Bienvenue au quoi? Au Christomu, le centre de recherche internationale scientifique secret des terrasseurs de monstres. Veuillez décliner votre identité. Je suis Wilhelm. Aucun, Wilhelm. Répertorié. Identité inconnue. Veuillez répéter. Ah, merde. Non, je voulais dire... Je suis Archie. Oui, c'est moi, Archie Stanton. Archie Stanton. Analyse de la concordance vocale. Concordance vocale erronée. Il ne vous reste qu'un seul essai. Un essai? Mais un essai avant quoi? Un essai avant enclenchement du processus de sécurité. Ok. Bon, qui pourrait... Ah! Papy! Aucun. Papy, répertorié. Identité inconnue. Mais non, mais évidemment qu'ils appellent pas Papy. Enclenchement du processus de sécurité. Oh non! Oh merde! Première étape du processus de sécurité. Ok, Comment ça, première étape? Il y en a combien, en fait? Il y a 7 étapes. Super! Et ça consiste en quoi? Les étapes du processus de sécurité visent à déterminer si vous êtes un véritable terrasseur. C'est pas un peu too much, non? Première étape. Veuillez citer les deux fruits interdits. Les deux fruits? C'est une blague, c'est ça? Alors, ici, hein, les framboises, pour commencer... Et le deuxième... Attendez voir... Le melon, c'est vraiment dégueulasse. Oh oui, c'est ça. Le melon. Correct. Veuillez avancer jusqu'à la deuxième porte. Ça commence pas trop mal, hein. Deuxième étape, lancement de l'hologramme. Oh, le bordel, c'est vachement bien fait. Ça fait vraiment accès à ce genre de technologie dans les années 60. Veuillez situer, en touchant l'hologramme, la zone permettant de déterminer le sexe d'un dragon. Quoi? Oui, je crois que je me souviens, c'est... Des écailles de couleur à la base du bras. C'est une dragonne. Mais oui, c'est ça. Juste ici. Correct. Veuillez avancer jusqu'à la troisième porte. Quel est le meilleur argument pour vendre des... Mais c'est pas possible, c'est Jacob qui a écrit les questions ou quoi? Ah, oh, tu viens m'emmerdouiller jusqu'ici, petit frère. Tiens bon, plus que 5 portes et j'arrive. Correct. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts et peut-être...
peut-être même toutes les autres parties de mon corps que j'arrive encore à croiser. J'espère que ça va... marcher ? Ah ! Aïe ! Vous pourriez prévenir ! Il y a plutôt intérêt à ce que ça marche, Pink. L'heure est écoulée et nos invités sont là. Part d'invités ? J'ai jamais été aussi mal reçu. Soyez patient, Jacob. Les festivités n'ont pas encore commencé. Attendez une seconde. On est dans la salle du portail. Stink, ne me dites pas que vous allez... Je suis désolé, Archie. De quoi ? On est où ? Ils vont faire quoi ? Rien comprendre à vos plans tordus. Ah, je vois que vous avez compris, Archie. Quelle meilleure façon de se débarrasser d'un pourfendeur que de l'envoyer rejoindre ses petites bébêtes. Archie, c'est quoi cette grosse porte jaune et noire ? Dites-moi pas que c'est... un portail vers l'autre monde. Oh, bordel ! Le crime parfait, vous ne trouvez pas ? Aucun sang sur les mains. Bye bye, pourfendeur, pour de bon. Mais il ne s'agit pas que de ça. Je vois plus loin. Pourquoi s'embêter à courir après vos bouteilles quand on a un accès illimité à la source ? Prendre le contrôle du portail permet un approvisionnement illimité de monstres pour mes émissions. Vous avez perdu la tête, Rock. Cyborg ! Prenez des risques inconsidérés. Ce portail n'a pas fonctionné depuis des décennies. Et vous savez pertinemment que ce n'est pas pour rien. Et bla bla et bla bla. Et vous et Pink, vous me resservez le même discours rabat-joie. Vous n'avez aucune ambition. Je sais pertinemment que le portail n'était pas stable. Mais avec mon intellect supérieur, je sais je peux le faire fonctionner à ma guise. Vous êtes taré. C'est pas le mec le plus équilibré qui vous le dit. Je suis un génie. Et comme tous les génies, je suis un incompris. Pink, démarrez le portail. Tout de suite, monsieur. Procédure d'initialisation du portail du cristal. Veuillez charger la jauge de décibels avant ouverture. La jauge de décibels ? Qu'est-ce que c'est que ça encore, Pink ? Pour activer le portail, il faut chanter, monsieur Borg. Quoi ? Non, je ne chanterai pas. Allez, regardez, je vous lance un petit rythme avec l'ordinateur. Jamais, vous m'entendez ? Jamais. Hey, mais qu'est-ce qui se passe ? Mes engrenages s'activent tout seuls. C'est l'appel de la musique, monsieur Borg. Ah, c'est bon, je vais chanter. J'ai vendu mon âme pour devenir un être robotique. Je suis le fleuron de notre belle industrie technologique. Je maîtrise un vocabulaire alambiqué bien comme il faut. C'est une qualité intrinsèque relative à mon gros cerveau. Oh, je suis un robot. Je suis vraiment trop beau. Fois le portail ouvert, j'aurai des concepts à décliner. J'ai 30 idées à la minute, j'aime la télé-réalité. 18 monstres sur une île et à la fin il n'en reste qu'un à Fort Boyard. Le père Foura, c'est un très vieux monstre marin. Une émission de cuisine à base de tentacules et de ronds. Un télécrochet où chante en cœur un tas de zombies idiots. Le bachelor ne distribue pas des roses mais des yeux. Les curés du jour du seigneur sont des vampires libidineux. Mon boss c'est un gobelin ou bien l'affaire monstruosité. En prime time, meilleure émission, l'amour est dans la comté. Mais à la place de Gandalf et de ses petits amis Hobbit, on remplace tout ça par Sauron sans slip qui expose ça. Oh, je suis un robot. Se mettre sur mon chemin, je n'en ferai qu'une seule bouchée. Les pourfendeurs et compagnie hachés par mes mâchoires d'acier. Envoyez le plus jeune moisir dans le monde imaginaire et laissez le second seul. Ici suis-je totalement délétère. Je suis un robot. Et je suis vraiment trop beau. C'est réel, c'est factuel, ça se base sur des statistiques très précises. Ok. Jauge de décibels chargée à 100%. Oui. C'est parfait.
parfait. C'est parfait. J'ai réussi. Il vous faut du sirop pour la toux, Mr. Pink. C'est quand même moi qui ai fait tout le boulot. Vous savez que mon ouïe est tellement surdéveloppée que je vous entends parler dans votre barbe, Pink. Pink. J'en reviens pas. C'est comme maman nous l'avait décrit. Et on va finir nos jours là-dedans. C'est trop génial. Génial. Bon, eh bien, mes amis, il est enfin l'heure de nous quitter. Je vous avouerai que je suis un petit peu déçu. Je pensais faire d'une pierre deux coups en vous amenant ici, Jacob, mais il semblerait que vous m'avez... Enfin sorti de ce... Oh ! Mais qu'est-ce que... Mais qu'est... Oh, bon... Ah, attendez, mais... Pink ? Mais qu'est-ce que vous foutez là ? Vous êtes en retard, Wilhelm ! Nous allions nous amuser sans vous ! Mais... Vous êtes qui, vous, d'abord ? Wilhelm ! C'est un piège ! Un putain de piège ! Jacob ? Et t'es où ? Dans cette bouteille, mon cher Wilhelm, avec notre vieil ami Archie. Je ne suis pas votre ami, Rod. Dans la bouteille ? Mais qu'est-ce... Comment t'as fait ça ? Et attendez, comment ça, Rod ? Vous êtes Chris Rod ? Je suis Cyborg ! Cyborg ! Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Mais je m'en bats les couilles de qui vous êtes. Vous allez relâcher mon frère immédiatement. Sinon, ça va chauffer pour vos fêtes. D'où vient ta pointe ? Qui sait attendre, mon cher Wilhelm ? Je m'apprêtais justement à le faire. Et hop ! Non ! Jacob ! Jacob ! Jamais 203 ! Ah, c'est parfait. Bon débarras. Vous pouvez refermer le portail, Pink, et ensuite rejoignez-moi dans mon bureau. Nous devons préparer la prochaine émission. Tout de suite, Monsieur Borg, je vous rejoins dans un instant. Courage, les gars. Je pense que ça devrait tenir un peu. Et maintenant, à vous de jouer pour comprendre comment sortir de là. Et Piper partent à l'aventure. Yeah. Mais on part où en fait? J'ai ma petite idée, fais-moi confiance Piper. Accroche-toi au péqué, j'appuie sur l'embrayeur. Oui, Piper. Alors que les moteurs hurlent sur la route de l'aventure, la réalité laisse progressivement place à l'inconnu, les certitudes s'effacent et la caravane passe et le mystère progresse. Ah, la route. La route, mais là où on va, on n'a pas besoin de route. Si vous voulez bien m'excuser, car à la porte du studio FATG, on vient de frapper. Bonjour, vous êtes Steven Wright, c'est bien ça ? Oui, qui le demande ? Bah moi c'est Frank. Et moi c'est Piper. Nous c'est Frank et Piper. Ah, Frank et Piper, oui, bien sûr. Piper ? Entrez, moi c'est Stephen Wright et je vous attendais. Chères auditrices et chers auditeurs, voici Frank et Piper sur FATG.